Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour mon calendrier de l'Avent que je fais avec mes amis Caroline de Carly & Joel et Amélie de Design et Diamant. Papa, on dit papa avant 9 ans. Donc, aujourd'hui on est le jour 16, ce superbe calendrier. Jour 16, là, j'ai pensé tout de suite à mon chocolat de mon Lind. Donc, 16, il est ici. C'est Caroline qui m'a donné le calendrier de chocolat. Ouh, les petites boules blanches, boules roses, voyons. Petites boules argent. C'est des petites boules, mais jaune, argent, là, c'est petites boules de chocolat au lait. Menoum. Je vais le mettre de côté, je vais pas le manger maintenant. Je vais manger très très bientôt, par exemple. Alors, je vais vous montrer que ma chandelle d'hier, là, que je vous ai présentée, ben, je l'ai mis dans un petit ramequin, comme ça. Puis je l'ai... Je l'ai allumé et ça sent vraiment le truc des toilettes. Là. Si vous comprenez pas la référence parce que vous avez pas écouté la vidéo d'hier, mais bref. Je l'ai mis là-dedans puis je l'ai même allumé puis ça sent super bon dans ma chambre. Même ça fait plusieurs heures que je l'ai allumé. Donc, petit cadeau numéro 16 qui me vient de Caroline. Les jours pairs sur mon... C'est Caroline qui me fait mon cadeau. Donc, Caroline, elle reçoit le cadeau de... Amélie, puis Amélie reçoit mon cadeau. Voilà. donc, on va aller ouvrir l'indice de Caroline. 16. J'illumine une pièce. Oh, tu parles de moi? Non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai une bonne idée parce que, justement, hier, c'est drôle parce que Amélie, elle a ouvert son cadeau qui venait de Caroline. Je pense que c'était pas pire le même indice. Puis, je trouvais ça drôle parce que moi aussi, j'ai ouvert une chandelle hier. Fait que là, j'ai l'impression que c'est aussi une chandelle. Puis, en plus de ça, ça sent bon au travers l'emballage. Exactement pareil. Comme dans la vidéo de Amélie d'hier. Fait qu'on va aller voir ça tout de suite. On reconnaît la marque, hein? La marque Bath & Body. Bath & Body Works. Ouais. En tout cas. Je dis jamais le bon mot, là. C'est les chandelles à 3 mèches. La meilleure chandelle à 3 mèches au monde. Satisfaction garantie. C'est ça qui est écrit. Fait que... Chandelle parfumée, ben oui, tu me diras pas. Tu me dis pas. Ouh! On va aller voir. En fait, je les ai jamais reçus dans une boîte. Je les achète directement au magasin. Moi, il est pas loin de la maison. Là, quand tu rentres là, ça prend pas de temps que t'as le nez gorgé d'odeur parce qu'il y a trop. La seule chose que je trouve plate, c'est quand tu vas là, c'est qu'il y a pas. Tu sais, souvent les places où tu vends des chandelles parfumées ou des parfums, il y a un petit pot de café pour comme aller. Je sais pas moi, ça pas annule, mais ça fait en sorte que là, ton nez revient comme moins engorgé d'odeur. Tu prends une sniff de grain de café, puis après ça, t'es capable d'aller sentir l'odeur d'une chandelle ou d'un parfum différent. Wow! Raspberry mimosa. Framboise sucrée, sorbet au rosé. Champagne. Une chandelle parfumée. Regardez comment elle est belle. Avec des belles dorures. Un beau pot rouge-rose, plutôt, là. Puis, oh, mon Dieu. Avez-vous une cuillère? Je pense que je vais la manger à la place de la faire brûler. Non, c'est pas vrai. Ça sent super bon. C'est une belle grosse chandelle à 3 mèches comme ça. Ça sent. Puis ça, là. C'est... J'en ai deux déjà à la maison, là. ma soeur, elle a fait une grosse collection. Je pense qu'elle en a genre une cinquantaine de chandelles. Là. Elle a vraiment. Je te dis, il y en a partout chez eux. Puis, fait que moi, je disais, moi aussi j'en ai des chandelles comme ça. Elle a dit, ah oui, t'en as combien? Deux. Fait que là, maintenant, j'en ai trois! Et je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Tu sais, j'aime ça parce que c'est toutes des bonnes odeurs, là. Et demain, c'est sûr, je l'allume. Ça sent tellement bon. Ah, oh, mon Dieu. Pour vrai, là, moi, j'adore les framboises. J'adore les bonbons aux framboises aussi. Puis ça sent vraiment le bonbon aux framboises. Tu sais, les petites framboises, là, dans le temps, ils étaient une scène, là. Et ça sent ça. Ah, oh, mon Dieu, ça sent bon. Ça
Ça sent vraiment bon. J'ai hâte de la faire sentir à mes filles, mais là, c'est une soirée jeu de société. Les filles viennent de se coucher, il est 22h30. J'irai pas les voir dans leur lit pour leur dire « Hey, sens ça! » Non, non, je leur montrerai demain. Mais c'est ça, je vais la déposer pour pas la faire tomber. Loin, j'ai poussé. Merci Caroline, je suis super contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée. Fait que j'ai hâte à demain pour aller voir, voir les autres cadeaux. Puis je vous invite à aller voir les cadeaux des filles qui ont eu sur leur, chacun leur, dans leur calendrier de l'Avent. Tantôt, je vous ai dit qui recevait qui. Puis, c'est ça. Je vous mets les liens des chaînes de Carly Angel et Design et Diamant sous ma vidéo ici. Vous allez pouvoir aller voir ce qu'elles ont reçu. Et nous, on se retrouve demain pour le jour 17 déjà. Hein? Bientôt les vacances du temps des fêtes. Ça va être super le fun. Ça va faire du bien. Mais là, c'est le week-end. Fait qu'on est bien content du week-end. Même si c'est le week-end avant les gros parties pis tout pis tout. Ouh! Les... Avez-vous des commissions de dernière minute? Moi, c'en est tout plein! Bon! Donc, j'arrête ça là. On se retrouve demain, comme j'ai dit. Et puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, les calendriers de l'Avent, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!